Yo tout le monde, c'est Tracer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le front flip sur trampoline. Donc c'est parti. Ok, alors pour apprendre le salto avant, il y a une façon très simple. Déjà, pour prendre un maximum de hauteur, c'est hyper important. Quand on commence, il faut prendre un maximum de hauteur. Donc c'est parti. Ok, ensuite, on va préparer la rotation. Donc pour cela, les mains et les bras vont jouer un rôle très très important. Ils vont faire ça. Ils vont aller chercher le plus haut possible. Et après, les genoux, ils vont regrouper. Enfin, ils vont venir se regrouper au corps. Donc ça donne ça. Donc on saute, on fait le geste avec les mains et on bouge. Ça donne ça. Donc au début vous allez ratterrir un peu comme ça. Ou même à peu près, il y a des gens qui vont même ratterrir comme ça. Quand on commence, on ratterrit un peu n'importe comment. Au début, on va prendre la hauteur comme ça. On va faire. Voilà, au début en fait on va faire ça. Et là par exemple, comme vous avez pu voir, j'ai pas groupé assez longtemps. Du coup, il faut grouper bien, bien longtemps. Comme ça. Voilà. Donc ensuite, l'atterrissage, c'est très important. À chaque fois dans la rotation, il faut garder les yeux ouverts. Donc pour l'atterrissage, c'est une fois la rotation finie, dès qu'on voit le sol, on dégroupe et on atterrit. Donc c'est très important, il ne faut pas être trop en arrière ni trop en avant pour être bien stable. Donc si on se met trop en arrière, ça donne ça. Et si on se met trop en avant, ça donne ça. Donc voilà, il faut faire comme ça. Il faut bien être entre les deux. Voilà. Donc on récapitule, on saute très haut, on fait le geste avec les mains. On groupe, on garde les yeux ouverts, dès qu'on voit le sol, on dégroupe. Il faut dégrouper au bon moment pour avoir la bonne stabilisation à l'arrêt. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a été utile. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.